Chers collègues, on va démarrer à l'heure. Je vais procéder à l'appel. Marion Virginia. Marie-Ange Babert. Présente. Jacques Choulet. Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Fabier. Présent. Sophie Dupouille. Arnaud Fabre a donné une procuration à Alain Lassalle. Elisabeth Brett a donné une procuration à Sophie Dupouille. Joanne Labarrère. Présent. Aurélie Lévesque. Présent. Bruno Lamaison. Présent. Sylvie Sauvignon. Présent. Christophe Priam. Présent. Alain Lassalle. Présent. Laurent Langlade. Présent. Marouillet Marie-Thérèse. Présent. Berges Christophe. Présent. Solange Boudamix. Présent. Ludovic Lucam. Présent. Christiane Chagnolo a donné procuration à Marion Virginia. Marjorie Fotous. Présent. Olivier Martinez. Oui. Et Barrié, je pense. De Révolu. Bon. On va noter en retard, on verra à cette délibération. Arrive Nathan Pachoré. Présent. André Lafargue a donné une procuration à Marjorie puisqu'il sera en retard. Alain Arambat. Présent. Jean-Luc Asselin. Présent. Et je vous remercie de votre présence. Il nous revient d'adopter deux comptes rendus, celui de la séance du 29 mars et celui de la séance du 8 avril. Y a-t-il sur ces points-là des observations que vous souhaiteriez rajouter à ces comptes rendus ? S'il n'y en a pas, je propose qu'on passe en vote en premier de celui du 29 mars. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Pour celui du 8 avril, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Avant de passer au premier point, je voudrais juste faire une déclaration préalable. Je voudrais ici ce soir informer le conseil municipal que M. André Lafargue, qui m'a accusé de diffamation et injure publique, a été débouté par le tribunal de grande instance de Marsan de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale. Ce jugement a été rendu le 7 mai. Je n'ai pas à ce jour les attendus du jugement. Je vous donnerai donc lecture des motifs donnés par les juges à leur décision lors d'une prochaine séance. Nous allons passer la parole à notre responsable du musée d'art et d'histoire du Cap des Gascognes, puisque les trois premières délibérations concernent la compétence tourisme, les deux premières plus particulièrement donc le musée. Et donc avant de parler du tarif et de la convention, nous souhaiterions qu'elle vous présente le musée. La parole est à toi. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Oui. Lors de ma dernière intervention en conseil municipal en 2017, nous présentions le projet scientifique et culturel de l'établissement fraîchement rédigé, document qui établissait notre feuille de route pour les trois années à venir. Pour rappel, ce document positionnait le musée comme le fer de lance d'une démarche globale de valorisation du patrimoine, un musée tête de proue de l'ensemble des sites culturels de Saint-Sauvé et de la communauté de communes Chalosse-Tursan. Donc deux années se sont écoulées et nos projets se sont concrétisés. Aujourd'hui, le musée des Jacobins est devenu le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, dont vous pouvez voir le logo derrière moi à l'écran. Alors, je vous présente en avant-première la nouvelle affiche du musée. Si ça marche. Voilà. La nouvelle affiche du musée donc pour les années à venir, affiche qui évoque les trois thématiques développées dans le parcours permanent du musée. Le gallo-romain avec une céramique de la villa du Glésia d'Augreil,
l'abbaye avec le chapiteau à décor d'oiseaux et le Beatus avec la map monde de ce manuscrit, ici présenté sur le livre numérique aujourd'hui installé au musée. En effet, nous avons l'année dernière inauguré 4 nouvelles salles consacrées au Beatus de Saint-Sevé, avec des espaces qui permettent de découvrir la richesse de ce manuscrit réalisé par les moines de notre abbaye autour de l'an 1000. En 2019, nous avons porté toute notre attention sur la section consacrée à l'histoire de l'abbaye de Saint-Sevé à la période romane, un moment où la ville de Saint-Sevé atteint un rayonnement artistique, spirituel, intellectuel et qui dépasse même les frontières de la Gascogne. Donc c'est un tout nouveau parcours qui aujourd'hui s'installe dans l'aile nord du couvent des Jacobins, un parcours articulé autour de 3 axes. Un premier qui va permettre au public de comprendre le génie de l'architecture romane de notre abbatiale, grâce à plusieurs dispositifs, notamment un film en 3 dimensions et une maquette interactive de l'abbatiale. Dans un second temps, le public sera amené à découvrir le décor sculpté de cet édifice. On a encore 70 chapiteaux romans qui y sont conservés, avec une forêt de moulage de chapiteaux. Alors vous avez à l'écran le chantier, puisque c'est vraiment une image qui représente la salle en travaux, avec les colonnes de couleurs qui recevront 9 moulages des plus beaux chapiteaux de l'abbatiale réalisés à l'occasion d'ateliers participatifs. Enfin, le parcours s'achèvera avec l'histoire d'une deuxième communauté monastique qui s'installe à Saint-Sevé en 1280, les Jacobins, et qui dans un premier temps sera rivale des bénédictins. Donc ce parcours sera jalonné d'activités ludiques qui seront installées dans les niches qui ponctuent l'aile nord du couvent. Un atelier costume qui permettra au public de se glisser dans la peau d'un moine bénédictin. Un atelier manipulation pour pouvoir toucher la pierre, toucher la sculpture et être au plus proche de la matière. Et puis un dispositif numérique qui permettra de rendre la polychromie à une sculpture de l'abbatiale à travers un système de mapping vidéo. Donc voilà pour les nouveautés 2019, pour cette aile consacrée à l'histoire de l'abbatiale. Concernant notre dernière thématique, donc le gallo-romain, les choses avancent également. Grâce au soutien financier du service d'archéologie de la DRAC, nous avons mis en place un inventaire du mobilier de la villa du Glésia d'Augreil. Cet inventaire nous a révélé un fond très important de sculptures, d'éléments de parure, d'objets en verre, de la céramique, des mosaïques. Et maintenant que les pièces sont triées, classées, elles sont exploitables. Et désormais, il faut qu'on fasse parer ces pièces. Donc l'année dernière, des spécialistes ont travaillé sur le fonds d'archives et sur le fonds de mobilier en métal, le petit mobilier de métal. Et ces études sont venues confirmer l'existence à Saint-Sevé au IVe siècle d'une très riche exploitation agricole centrée autour d'une grande villa. Cette année, nous poursuivons nos investigations avec 2 nouvelles missions d'études, une sur la céramique et une sur les pièces lapidaires. Avant la mise en place de la section définitive l'année prochaine sur la période gallo-romaine, nous avons souhaité présenter au public le travail de l'ombre, les coulisses de l'activité d'un musée, à savoir le minutieux travail d'inventaire, la confrontation des objets avec les archives et l'étude du fond par matériaux. Donc vous pourrez, dès cet été, retrouver dans les salles des objets, mais qui là seront présentés dans leurs caisses de stockage, dans leurs petits sachets numérotés. Et puis on aura aussi beaucoup de documents d'archives et des photographies de fouilles depuis 1969, des fouilles du chantier de la villa du Glésia d'Augreil.
Donc vous pourrez découvrir tout cela dès cet été. Nous allons inaugurer le musée au mois de juin et vous recevrez très prochainement votre carton d'invitation. Enfin, notre projet d'établissement plaçait le public au cœur des préoccupations, dans l'idée que le musée soit une source d'inspiration pour le public, un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Et il me reste à vous présenter les animations de la saison 2019. Donc nous avons prévu, nous avons déjà organisé un atelier de moulage au mois d'avril qui a permis aux habitants de participer à la réalisation des œuvres qui seront présentées au musée cet été. Nous organisons le jeudi 13 juin un vernissage avec les élèves de l'école du parc autour de l'exposition « Imagine le reste ». Durant un an, les enfants ont été amenés à imaginer une enlumineur disparue du Beatus et leurs dessins seront présentés dans la salle d'accueil du musée. Nous accueillerons les scolaires sur des créneaux qui ont été bloqués entre le 17 juin et le 5 juillet pour marquer la fin de l'année, donc à travers une visite jeu. Ensuite, le musée rentrera dans sa période d'ouverture estivale pendant 3 mois. Nous élargissons l'amplitude d'ouverture du musée cette année, du 8 juillet au 29 septembre, avec en plus de l'agent d'accueil, une médiatrice qui sera présente pour accompagner le public dans le parcours. Médiatrice qui a été recrutée par l'Office du tourisme Chalosse Tursan. Les nuits musicales seront réorganisées cette année donc par l'école de musique et vous pourrez visiter le musée dans une ambiance nocturne puisqu'il sera ouvert lors des concerts. Et enfin, nous vous invitons à une journée Escape Game au mois d'août. Cette animation, ça a été le fruit d'un partenariat avec la médiathèque Chalosse-Tursan, le site de Saint-Sevé. Le scénario du jeu a été monté par les participants à un atelier d'écriture qui ont été encadrés par un auteur de polar. Et le public inscrit devra résoudre des énigmes pour sortir en moins d'une heure des salles du Beatus. Et pour faire partager toutes ces réjouissances, nous travaillons depuis plusieurs mois avec le service communication et notre stagiaire en communication du patrimoine à l'élaboration d'un site internet et d'un Facebook entièrement dédié au musée, ce que vous pourrez découvrir à la mi-juin. Voilà. Je crois qu'on peut applaudir. Et moi, je voudrais féliciter le travail d'Alizé, qui au bout de 3 années aura atteint l'objectif de faire de ce musée un musée de France. Répond aux obligations de cette réglementation et qui donc change de nom, qui passe de musée des Jacobins à musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne pour mieux rappeler et symboliser ce changement. Ce changement passe aussi par les questions financières, puisque jusqu'alors le musée étant gratuit en travaux, la décision avait été portée de le faire gratuit. Cette année, nous allons entrer dans quelque chose de payant, avec une entrée à 4 euros par personne, avec la possibilité d'avoir une médiation patrimoniale dans le musée. On a fait l'Office du tourisme de cet effort, avec des tarifs réduits à caractère social pour les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires du RSA sur présentation d'un justificatif, et bien entendu la gratuité pour la jeunesse. En allant, bien sûr, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, tous ceux qui sont étudiants, et c'est une obligation de tous les musées de France. Il sera gratuit aussi pour ceux qui sont titulaires de la carte ICOM. Alors là, Alizé va me dire ce que ça veut dire. Je crois que c'est ceux qui sont en gestion de musée, je crois. Alors, l'ICOM, c'est le Conseil international des musées, et qui rassemble une communauté de professionnels des musées du monde entier. Qui permet effectivement de rentrer gratuitement dans les musées qui y adhèrent. L'idée étant d'échanger entre professionnels. Voilà. On va bien sûr passer au vote, mais avant de passer au vote, peut-être que certains parmi vous ont des questions à poser à Alizé avant que nous quittions. Oui, bonne idée. C'est bon. Ah. Oui, non, c'est pas une question, c'est juste.
réalisé, pour le travail réalisé pour le musée, tout simplement. Et bien évidemment, nous voterons pour ce tarif. Bien, mais on va libérer Alizé. Merci pour cette belle présentation synthétique et un peu de passion. Est-ce que Jean-Marc peut nous parler de l'expo qui aura au Jacobin? Puisque notre musée est à l'étage, et le but est d'essayer de donner envie aux gens qui se baladent dans la ville de découvrir le musée. Donc, tu portes une expo, je te laisse la parole. Voilà. Donc, on aura une exposition d'art contemporain dans l'église des Jacobins durant tout le mois de juillet. L'inauguration aura lieu le vendredi 5 juillet. Nous aurons trois artistes, un artiste peintre qui s'appelle Pascal Post, un sculpteur qui s'appelle Milton, et puis une service qui s'appelle Delphine Dardar. Donc ils exposeront pendant tout le mois de juillet. Ce sera ouvert tous les après-midi de 13h30 à 18h30, si les souvenirs sont exacts. Et l'entrée sera libre, bien entendu. Donc il y aura l'inauguration que je vous ai dit de vendredi 5, tout le monde sera bien entendu invité. Et il y aura une permanence, bien entendu, d'assurer tous les après-midi. Voilà. Allez, parfait. Merci beaucoup, Alizé. Donc nous allons passer au vote de la première délibération qui concerne ce tarif. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La mise en place de ce tarif payant pour les visites libres nous amène à faire un avenant à la convention qui nous lie avec l'Office du tourisme, puisque, comme l'a dit Alizé, c'est du personnel de l'Office du tourisme, bien sûr, l'accueil, la ville portant tout l'aspect conservation et l'investissement sur ce musée. L'office sera rétribué à hauteur de 25% du montant de ses prêts. Pour faire simple, pour le tarif général, sur 4 euros, 1 euro sera reversé à l'Office du tourisme, 3 euros gardés par la mairie. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions? Bien entendu, nous aurons à l'adopter en retour au niveau communautaire. Tant que je suis sur point 3 à l'ordre du jour, nous avons à valider une modification des statuts de la communauté des communes. Je dirais que c'est quelque chose d'assez classique, puisque nous sommes en train de réajuster les compétences. Il y aura des découvertes de personnes, juste deux éléments d'information sur certaines compétences de la communauté des communes qui concernent notre ville. Le lieu d'implantation du site pour le traitement des déchets de Venaison a été étudié. Il sera a priori à côté de la salle de la chasse, où les chasseurs font déjà l'éviscération de leurs animaux. Ça présente deux avantages. Pour les chasseurs, c'est à côté, les habitations sont peu éloignées, et nous avons bien sûr le ramassage de ces déchets de la maison qui sera pratique pour l'entreprise, puisqu'elle va tous les jours dans les abattoirs qui sont à côté de ce lieu, au terré, à côté de la zone industrielle. Les travaux devraient commencer en septembre, puisque c'est la communauté commune qui porte l'investissement, que ça se fait sur un terrain communal, et que donc nous aurons avec les chasseurs à assurer le bon fonctionnement et l'entretien de ce site. Deuxième sujet sur lequel il me semble intéressant d'apporter des éclairages, c'est celui de la médiathèque. Nous n'avons plus de médiathèque en centre-ville depuis 4 ans, puisque le beau projet que portait Mme Boisseau-Deschoir, vice-présidente en charge de la culture publique à l'époque, le projet que nous soutenions avec Marcel Cruet, a été tourné sur la base d'une éventuelle solution moins onéreuse. Marcel Cruet avait nommé en suivant une commission, mais force est de constater qu'il n'y avait pas de solution moins coûteuse. Depuis lors, malheureusement,
ce projet est au point mort. Dans le cadre de l'OPH, Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, j'ai initié une réflexion sur le devenir de la manufacture Krabos. Nous avons cherché des investisseurs pour travailler sur cette ancienne manufacture et nous avons trouvé un professionnel de l'hôtellerie pour s'implanter dans ce lieu. Il est de consacrer une partie de ce bâtiment pour y faire une médiathèque a séduit cet investisseur, raison pour laquelle à l'automne dernier, nous avons provoqué une rencontre en mairie entre les porteurs du projet et la communauté de communes. Nous avons eu 3 réunions de travail avec la communauté de communes, les investisseurs privés et la ville, qui ont permis d'établir un projet intégrant la médiathèque, l'hôtel et un passage reliant la rue Durieux et la rue Saint-Vincent-de-Paul, bref, permettant au travers de l'ancienne manufacture Krabos de relier la poste et le centre-ville et le quartier du collège. Ce projet sera présenté à la prochaine commission culture de la communauté des communes le 3 juin qui examinera cette proposition et donnera son avis sur le meilleur lieu d'implantation pour notre médiathèque. Je souhaite en conclusion réaffirmer que nous souhaitons une médiathèque attractive et moderne en centre-ville, adaptée aux attentes des Saint-Séverins, au plus près des écoles et des collèges. La revitalisation de notre centre-ville passe par l'installation à la fois d'une médiathèque et d'un hôtel en cœur de ville. Y a-t-il des remarques, des commentaires avant que nous adoptions cette délibération? S'il n'y en a pas, je vais passer au vote. Y a-t-il des... Enfin, juste une précision, bon, vous avez raconté encore une fois une belle histoire, elle est magnifique, moi je souhaite que ça réussisse, mais je n'ai pas exactement les mêmes infos que, informations que vous, donc on est bien d'accord, hein, le vote c'est uniquement la modification des statuts par rapport aux déchets de Ménaison. Il y a d'autres problèmes dans les... J'entends, je veux dire, pas la problématique de la médiathèque ou autre, hein, soyons clairs, ça n'a rien à voir avec ça. Oui, mais ça ne nous empêche pas de travailler sur la médiathèque. Enfin, à la fois qu'élu communautaire, Marie-Ange et moi-même siégeons à la commission culture en tant que conseillers municipaux sur ce projet de la barrière qui porte ce dossier auprès de nous. Le métier des élus, c'est d'aller de promouvoir leur ville, de donner envie à des investisseurs de porter des projets sur leur ville, de les aider à les concrétiser. Il me semblait important alors que dans 15 jours, la communauté commune sera saisie de ce projet d'en témoigner ce soir. Y a-t-il des oppositions sur cette modification de statut? Des abstentions? Je vous remercie. Fruit d'un travail de 4 années, porté par le pays à Tours, Chalosse-Tursan, nous sommes amenés ce soir à adopter le schéma de cohérence territoriale, SCOT. Nous avons adopté il y a 15 jours à la région l'échelle au-dessus, à savoir le SRADEP, le schéma régional. Ces documents vont s'imposer à nos futurs PLU et PLUI. Et donc ce qui est intégré dans ces documents sont importants pour l'avenir de notre commune. Vous avez donc tous reçu les éléments. Je ne retiendrai que quelques idées forces qu'il faut, à mon avis, mettre en avant. Le premier, c'est que ce SCOT acte l'idée qu'il y a 4 pôles de centralité sur ce territoire, R, HMO, Tartas et Saint-Sebé. Ce SCOT fait le constat que l'avenir des centres-villes dans chacune de ces communes est aujourd'hui en difficulté. Que certaines de ces communes, ce n'est pas le cas de Saint-Sevé, perdent des habitants. Et que donc, il y a eu dans ce SCOT l'affirmation de la volonté d'essayer de continuer à accueillir les nouveaux habitants. Une augmentation de 30% de la population sur notre territoire dans les 20 années à venir, soit 28 000 habitants. Avec, et c'est écrit dans le SCOT, l'idée qu'il y a un rééquilibrage. Lors des 20 précédentes années, c'est plutôt les petites communes qui ont eu une forte croissance et les villes et centres qui ont une tendance à en perdre ou à se stabiliser. Et là, le but, c'est que
ces populations soient de nouveau prioritairement, ou plus fortement, je dirais, dans les communes-centres. En ce sens, le SCOT confirme l'orientation que nous avions adoptée dans le PLU d'une ville de Saint-Sever, qui, par le fait de traiter la vacance dans son cœur de ville, et vise à ramener de la population dans son périmètre urbain et à amener notre population à 6 000 habitants pour maintenir sur son CV des services, des commerces et un rôle au fond de centralité. Le deuxième point, il y a la volonté sur notre territoire de ne pas être qu'un territoire résidentiel qui vivrait dans un phénomène de banlieue vis-à-vis de Dax pour ce qui concerne Montfort ou Pontons et de Mont-Marsan pour ce qui concerne Grenade, notre territoire. L'idée, c'est de garder à la fois une activité résidentielle, mais aussi une activité économique forte. En ce sens, il y a toujours l'affirmation d'une agriculture forte, pour laquelle il faut veiller à garder le maximum de surface agricole. Il faudra donc essayer de réduire les consommations de ces espaces agricoles pour d'autres utilisations. En ce sens, le SRADET, voté à la région, a adopté le même principe. Nous avons aussi conforté l'agroalimentaire. Nous souhaitons qu'Agroland puisse y participer. Il y a affirmé que la zone industrielle de Perret reste une zone d'activité forte qui puisse continuer à se développer dans ce scope. Il y a enfin l'affirmation de nouveaux relais de création d'emplois. Le constat que le tourisme est encore trop peu développé sur ce territoire alors qu'il y a du potentiel. En ce sens, il y a l'affirmation à la fois de continuer à poursuivre la mise en place du tourisme patrimonial, de développer le tourisme vert et affirmer la volonté que les dernières années à venir, l'ancienne voie de chemin de fer qui nous mène jusqu'à Mont-de-Marsan et jusqu'à Agenmo et qui traverse Saint-Sever, soit aménagée en bois vert. Ce dont je m'en réjouis, on aura besoin pour cela de la mobilisation de tous les acteurs publics. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce SCOT. Y a-t-il, par rapport à ça, des remarques, des observations? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je me réjouis que ce SCOT soit de telle unanimité. Cinquième délibération, ça sera une action importante des mois à venir et tout du moins un travail de longue haleine. C'est celui de la délibération que je vous propose sur la revitalisation du centre-bourg de Saint-Sever. Comme tous les centres-villes de l'île comparable, Saint-Sever n'est malheureusement pas épargné par la perte de vitalité de son centre. L'ouverture de la rocade, voilà 12 ans, a été en la matière un facteur qui a aggravé la situation qui est propre là à notre ville. Depuis 5 ans, nous portons un projet politique qui vise à redynamiser ce centre-ville. Redynamiser tout d'abord par toute une série d'opérations qui cherchent à ramener de la population au plus près du cœur de ville et à augmenter la population de Saint-Sever. Je me réjouis que nous ayons gagné 320 habitants ces dernières années. Je constate qu'à quasiment fin mai, nous avons autant de logements qui ont été déposés en permis de construire aux déclarations préalables que l'an dernier sur toute l'année. Donc, il y a en matière une dynamique. L'écoquartier que nous avons prévu pour accueillir 400 habitants a été aménagé et prévu sur le terrain qui restait libre le plus proche du centre. Et enfin, l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat et la VAP sont deux dispositifs qui visent à faire descendre des aides et des exonérations fiscales pour réduire la vacance en cœur de ville. Les opérations de requalification que sont l'aménagement de l'entrée de ville par la commune du Général de Gaulle, le parc La Place de Montlagne et probablement d'autres, cherchent à changer l'image de notre ville. Et sur le plan plus précisément du commerce, Claire Duprat a mis en place au sein de la communauté de communes une aide à la modernisation des commerces en 2015 dont ont bénéficié plusieurs établissements Saint-Severin. C'est d'ailleurs un dispositif qui maintenant a été étendu à l'ancien Tursan et à l'ancien HCU. La rénovation des halles et de la place du marché est une réussite et Saint-Sever accueille depuis deux mois un espace de coworking
qui est le premier du territoire et qui a été soutenu par la communauté des communes de la région. Pour autant, aujourd'hui, il nous faut aller plus loin et saisir les opportunités mises en place conjointement ces derniers mois par le département, par la région et par l'État. Une première réunion s'est tenue le 16 mai en mairie, en présence du responsable de ce sujet au sein de la région, des collaborateurs en charge de ces sujets de la DVTM, en présence de la CCI et de la communauté de communes. Le représentant du département n'a pas pu au dernier moment être présent, mais il est prévu que nous la rencontrions au mois de juin. Le chef de file sur ces sujets-là est la région, puisque c'est elle qui a la compétence en matière de développement économique. Elle lance cette semaine un appel à manifestation d'intérêt. Pour y être éligible, il faut débuter par un courrier de sollicitation qui sera co-signé par le maire et la communauté des communes, sous la délibération de ce soir. Nous avons d'ailleurs une réunion de travail qui est prévue le 6 juin avec la communauté des communes pour préparer ce dossier. La ville sera l'entité qui portera la démarche et nous serons, je l'espère, une des premières villes de Nouvelle-Aquitaine à rentrer dans ce dispositif. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez la délibération, le règlement d'intervention de la région qui nous a été remis, le département avec qui donc j'ai échangé m'a confirmé que nous étions éligibles au regard de notre taille à 350 000 euros d'aide du département au titre de ce dispositif. Et il nous faudra frapper à toutes les portes, essayer de mettre en place tous les dispositifs qui existent. La démarche commencera bien sûr par un diagnostic de la situation pour identifier à la fois les mesures très court terme et la vision qu'on veut se donner à moyen et long terme. Y a-t-il par rapport à tout ceci des questions, des prises de parole? Oui, monsieur Martinez. Vous avez déjà évoqué l'intervention du département. Effectivement, le conseil départemental a pris conscience, bien évidemment, des difficultés de dévitalisation des centres-bourgs et qu'à ce titre, d'ailleurs, c'est des remontées qui viennent du terrain suite notamment à différentes études qui ont pu être faites dans les PLUI et le SCOT Payadon, Chalosse-Tursan. Donc nous avons décidé en accord et en harmonie au plan réglementaire avec la région de créer des régimes d'intervention qui permettent de balayer un maximum d'opérations pour que nous puissions, et vous l'avez dit, pour Saint-Sever, mais aussi pour d'autres communes, participer à cette revitalisation qui en a bien besoin. Voilà, donc le département, effectivement, se positionnera sur ce type de projet. Écoutez, on s'en félicite. La région a souhaité, aujourd'hui l'État n'intervient principalement que sur les préfectures, sous-préfectures, pour ce qui nous concerne, c'est Dax et Mont-de-Marsan. Le département avait déjà initié il y a quelques mois, comme tu l'as dit, des dispositifs toutes les communes, mais qui ont plutôt démarré sur les communes un peu plus petites, comme, je crois, Montfort, Jaune. La région a choisi 10 communes dans le département des Landes, dont nous faisons partie, qui sont plutôt des communes de 5 à 10 000 habitants, qui étaient aujourd'hui entre les deux strates. Il y a également la loi Elan qui vient d'être adoptée, qui a mis en place l'ORT, qui est un dispositif qui pourrait rendre éligible Saint-Sever à la défiscalisation de Normandie, peut-être sur du neuf et aussi sur l'ancien. On doit re-rencontrer dès demain d'ailleurs à ce sujet les services de la DETM. On verra dans les mois à venir. L'idée, c'est d'essayer de massifier tout le dispositif pour essayer d'être efficace. Y a-t-il sur ce sujet des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je crois que nous en sommes au point 6. Je vais essayer. C'est une petite acquisition, 19 mètres carrés, mais qui a beaucoup de conséquences. Alors pour bien le comprendre, il nous suffit de regarder la vidéo de projection. Est-ce que vous y voyez mieux?
vous avez le plan de l'école. Je vous redis que nous avons en face, au fond de la maison des écuries du parc, la future entrée de l'école. Et il nous faut acquérir 19 mètres carrés pour pouvoir faire une sortie entre cette entrée de l'école et la voie nouvelle. Et donc, vous avez là la perspective de vue en 3D de ce que pourrait devenir ce quartier, puisqu'au fond, aux côtés de l'école, ça va nous permettre cette finalisation de pouvoir agrandir le parking, de bien le matérialiser, de faire des trottoirs aux normes handicapées actuelles, et que les enfants, une fois qu'ils seront déposés le matin, que les parents puissent repartir par la voie nouvelle, sans avoir à faire de demi-tour, ainsi de suite. Dans les groupes de travaux qu'on avait fait sur l'école, c'était une demande qui était sortie assez rapidement. Donc il nous a fallu négocier avec le propriétaire actuel, qui a accepté de nous vendre ces 19 mètres carrés pour un prix de 190 euros. Et je le remercie profondément parce que sans ça, il n'y avait pas d'emprise, puisqu'il y a quand même une belle différence de niveau pour pouvoir faire cette sortie. Y a-t-il par rapport à ça des questions ? Vous avez là l'image de ce que sera l'entrée, et donc la sortie juste après. Les terrains qu'on achète sont quasiment au niveau de l'espace vert que vous voyez à droite. Le petit triangle, vous avez là, dans la délibération, la parcelle. Y a-t-il sur ce point-là des questions particulières ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc, à partir de maintenant, considérer que dans le cadre de l'école, on va restructurer l'école du parc et créer une liaison routière qui n'existe pas aujourd'hui. Point 7 à l'ordre du jour. Au moment de le notaire pour la vente de la maison anciennement du directeur d'école maternelle, le parking et les accès routiers qui sont devant. Tout le monde pense qu'ils sont dans le domaine public. Sont en fait dans le domaine privé de la commune. Et donc il nous faut créer une servitude de passage entre la sortie de cette maison et le domaine public, sachant que vu l'état de la route à cet endroit-là, nous ne pouvons pas le reverser en l'état dans le domaine public au titre du règlement voirie de la communauté commune. Donc le plus simple, c'est de faire une servitude de passage, et le jour où on regoudronnera la route, un cercle élargi avec le parking devant l'école maternelle, donc ça sera basculé dans le domaine public, il y aura une servitude, elle tombera elle-même. Y a-t-il sur ce point-là des oppositions ? Oui, une question peut-être ? Non. Une opposition ? Très bien. Des abstentions ? Je vous remercie. Nous avons un point. L'ancien chemin de Cassoura, la Blurte, Sartoulé. Si vous êtes d'un côté de la route, il est à une adresse, ça s'appelle Cassoura. Si vous êtes de l'autre côté du chemin, il s'appelle la Blurte. Et donc on a tous les voisins à cet endroit-là qui ont des problèmes pour les colis, les courriers. Et donc, après concertation avec les habitants du quartier, et afin d'essayer de trouver les solutions la plus simple possible, il vous est proposé. Pardon ? On va enterrer Cassoura. On va faire le chemin de Sartoulé entre le boulevard de l'Espérance, donc le long de l'école maternelle, si vous voulez, dans l'entrée, jusqu'à l'entrée du quartier par le rond-point de Sartoulé. Vous l'avez en bleu sur la note de synthèse. Et une fois qu'on est au rond-point de Sartoulé, jusqu'au chemin où il y a le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on appelle ça chemin de la Blurte. C'est une régularisation. J'imagine que
ça ne pose pas de problème. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point 9. On s'est aperçu que la place du quartier de Sainte-Élie n'a pas de nom. Et à la demande d'habitants du quartier, vous avez fait la proposition que nous la nommions place Abbé Vincent, puisque ce prêtre a officié pendant 56 ans sur le presbytère, qui est la seule maison qui donne sur ce quartier. Vous l'aviez hors de tous. C'était un homme de grande valeur qui aimait profondément sa ville, supporter invétéré du SAS rugby et vice-président du comité des fêtes de Perret pendant plusieurs décennies, de ce que j'ai compris. Et donc, la proposition est que nous la nommions, sachant qu'elle fera l'objet d'une amélioration du fleurissement dans les mois à venir, notamment à l'automne. Il est mort ? Il est mort il y a une dizaine d'années. Nous avons bien sûr contacté sa sœur qui a vécu avec lui pendant des années, et qui ne peut pas se poser à l'idée. Voilà. Nous honorons souvent une nom d'ancien maire, sans élu, responsable d'association. Je crois que cet homme a incarné ce quartier. Simplement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons également, au niveau du lotissement de la Fontaine, créé une impasse qui dessert deux maisons qui ont été créées dans le découpage de parcelles du La Fontaine 2. Et nous avons cette impasse qui donne accès à un terrain constructible qui est à l'arrière, sur lequel il y a des projets. Et donc il nous a été demandé, là aussi, c'est pour éviter des problèmes de courrier, de donner un nom à cette impasse. Et donc il vous est proposé tout simplement de l'appeler Impasse La Fontaine, et que tout le reste de la rue La Fontaine s'appelle rue La Fontaine. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie. Délibération 11. Nous avons, comme chaque année, à délibérer pour créer des postes au sein de nos équipes de saisonniers. Nous aurons 27 saisonniers. Deux saisonniers un peu particuliers, puisque c'est ceux qui vont de nouveau faire la montée du clocher en visite. Au regard du fait que c'est une visite payante qui a un propos patrimonial à tenir, nous proposons de reprendre les mêmes jeunes, puisqu'ils ont relevé ce challenge l'an dernier et on avait des bonnes remontées. Et ils étaient trois, on a proposé le poste aux trois dernières années, mais une des jeunes filles est prise toute la saison dans un autre site patrimonial, mais heureux pour lui. Et donc nous renouvelons le même nombre de jeunes en dehors de ces deux contrats que l'an dernier, à savoir 25 jeunes. Sachant qu'on privilégie bien entendu plutôt les jeunes qui ont 18 ans en priorité à ceux qui ont 17, en priorité à ceux qui ont 16, invitant ceux qui ont candidaté et qui sont pas pris à renouveler leur candidature l'année après, et qu'aucun jeune n'est pris deux années de suite, de façon à essayer d'offrir ce dispositif au maximum de jeunesse. L'organisation a été mis en place de façon à pouvoir accueillir autant de jeunes filles que de jeunes garçons. Il y aura des entretiens avec eux pour essayer de voir pour chacun d'entre eux quel est le service qui est le plus adapté à eux. Il y aura donc deux jeunes sur le mois de juillet qui seront à l'expo qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marc. Sinon, ils iront dans les espaces verts, à l'intendance, le bâtiment si certaines compétences, les manifestations. C'est pour la plupart d'entre eux leur première expérience professionnelle en complément de PC. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je propose qu'on passe à la résolution. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous arrivons au point 12, à l'ordre du jour. Pour ce qui
concerne ce point, je voudrais directement préciser ce qui se passe. Nous avons le solde au 001 qui a été enregistré dans le mécanisme de recette et une redevance dans le budget primitif BIN 2019, ce qui est une erreur technique qui concerne une seule ligne d'écriture comptable. Ce budget n'ayant fait l'objet d'aucun commentaire de la part du percepteur, nous avons proposé, l'Assemblée l'a d'ailleurs adopté sans remarque particulière, le 8 avril dernier. Le nouveau comptable public, arrivé ce mois d'avril, nous a en revanche informé de cette anomalie. En dépit du niveau d'investissement très fort, nous avons toujours de réelles marges de manœuvre financières, raison pour laquelle, après étude des mesures correctives, le percepteur nous a donné son feu vert pour présenter ce projet de décision modificative. Mais ce qui aurait dû être un simple exercice simple et rapide s'est transformé en une procédure beaucoup plus complexe, puisque vous avez écrit, M. Martinez, à la préfecture, à la Chambre régionale des comptes, sans être intervenu en commission finance, en conseil municipal, ou m'avoir écrit comme l'aurait fait naturellement tout élu au service de sa commune. Ainsi, nous travaillons depuis la semaine dernière main dans la main avec la Chambre régionale des comptes. Nous avons transmis à la Chambre dès vendredi le projet de décision modificative élaboré avec le nouveau trésorier, ainsi que toutes les pièces justificatives qu'elle nous a demandées. La Chambre régionale des comptes a souhaité que cette proposition de décision modificative soit débattue ce soir en conseil municipal avant qu'elle n'émette ses préconisations que nous adopterons dans les semaines à venir. Si vous avez compris que je ne pouvais plus engager aucune dépense au motif que la Chambre régionale des comptes était saisie, c'est que cela vous a été mal expliqué. C'est pourquoi je tiens ce soir à vous apporter les précisions suivantes. Je continue en tant que maire à mandater tous les frais de fonctionnement, dès lors que je ne dépasse pas le montant dépensé sur l'année 2018. Pour ce qui est des investissements, les dépenses sont limitées pendant 30 jours au quart des dépenses de 2018, auxquelles il faut rajouter les restes à réaliser, soit un total de dépenses d'investissement possible de 1 432 000 euros, sachant qu'au 30 avril, nous n'avons mandaté que 914 000 euros d'investissement, je peux encore mandater 619 000 euros dans l'attente de la proposition de la Chambre régionale des comptes. Nous avons donc les crédits suffisants dans l'attente de l'adoption prochaine par le Conseil municipal de la proposition de la Chambre. Si votre objectif, M. Martinez, était une nouvelle fois de retarder l'action municipale, c'est une nouvelle fois raté. Avant que le cas ne s'installe et que notre ami Christophe reprenne sa santé, je voudrais passer la parole à Jacques pour qu'il nous présente le contenu de l'ADM qui a été présenté en commission finance ce lundi. Donc, proposition concernant une DM pour la ville est la suivante. Donc, en section fonctionnement, 124 500 euros de recettes supprimées qui concernent la modification de l'enregistrement de la vente de la maison de l'école maternelle. C'est 124 500 euros parce que donc cette maison qui avait été inscrite en recette de fonctionnement doit en réalité être inscrite en recette d'investissement. Donc cette suppression de 124 500 euros est compensée par une diminution de 20 000 euros de charges de personnel et 104 500 de la section virement à la section d'investissement. 20 000 de charges personnelles, 104 500 du virement, ça fait bien 124 500 qui compense en dépenses, qui compense les 124 500 de pertes de recettes. Ça, c'était pas la section fonctionnement. Concernant la section investissement, nous avons trouvé des diminutions de dépenses pour 138 624,26 euros. Sur quatre opérations d'investissement qui correspondent au décalage d'opérations mineures. Sur l'opération acquisition de matériel,
moins 22 283,84, qui correspondent à une cellule de refroidissement qui était prévue pour la cuisine centrale et qui sera reportée en 2020. La raison étant que nous avons un accord avec le CIAS qui prend en charge une partie des investissements, des gros investissements qu'on peut avoir sur la cuisine centrale. Il prend en charge une quote-part correspondant à la quote-part des repas qui sont faits pour lui. Et donc le CIAS n'avait pas inscrit le remboursement de sa quote-part. Et donc nous n'avons pas l'intention de faire un investissement sans avoir la sûreté de récupérer la quote-part du CIS. Donc cette opération, Madame 2283-84, reportée en 2020. Sur les aménagements urbains, nous avons diminué de 74 905,42. Cette diminution correspond, on avait prévu l'installation de feux pédagogiques l'avenue Charles de Gaulle à Perret. En fait, nous avons des devis qui sont bien supérieurs à ce qu'on avait prévu dans l'enveloppe. Et donc, voilà, c'est pas possible de faire ça dans le cadre financier qu'on s'était fixé. Il y a également donc dans cette partie-là le décalage des travaux de la côte de Bruyères sur la fin d'année suite aux intempéries 2018. Donc on avait prévu initialement de démarrer cet été. En fait, nous ne commencerons pas avant la fin d'année car les études techniques ont pris du retard. Il y a également une enveloppe qui avait été dédiée à l'aménagement du futur parking des agents de l'hôpital. Vous savez que donc derrière l'ancienne gendarmerie, il y a un parking qui doit être fait par l'hôpital pour ses agents et donc rendre la place de parking qui est au niveau de la pharmacie publique. Et donc nous avions, nous, à faire les trottoirs qui relie le nouveau parking à l'ancienne gendarmerie sur la rue Saint-François, je crois, pour la sécurité du personnel qui allait sur ce parking. Et donc l'hôpital reporte le chantier à 2020. Donc les trottoirs ne sont pas obligés d'être faits en 2019. Nous avons également reporté donc la restauration des portes de la salle capitulaire du cloître, on reporte ça à 2020, ainsi que l'acquisition de nouveaux mobiliers pour les Halles. On avait mis une enveloppe de 15 000 euros. Finalement, le mobilier actuel donne satisfaction et donc on ne mettra même pas probablement en 2020 de nouveaux mobiliers. Donc ça, c'était pour la partie diminution des dépenses de la section investissement. En ce qui concerne la partie recette de la section investissement, nous avons une augmentation au chapitre subvention de 230 391 euros. Ça correspond donc à des subventions qui n'avaient pas été inscrites au budget primitif parce qu'on n'avait pas encore les avis officiels ou du département ou de l'État. Et donc nous avons depuis reçu ces avis. Donc il y avait des avis dont on n'avait pas encore l'annonce. Et puis également il y a des avis pour lesquels on avait mis des subventions de 30% et on a eu des nouveaux taux qui montent jusqu'à 40% au niveau de la DETR. Bon, j'ai pas moins de détails, mais si vous le souhaitez, Arnaud pourra. Non, mais je vais vous faire le détail. Hein. C'est sur l'État va nous accompagner sur l'école du parc en deux tranches. Une sur 2019 à 600 000 euros de dépenses pour lesquelles nous avions anticipé 30%. La réalité, c'est que nous avons octroyé 40%. On a 60 000 euros de subvention plus forte que ce que nous pensions début avril. Sachant que l'État nous accompagnera aussi
sur l'exercice 2020 sur le sol. Nous avons, de la part du département, ça a été débattu ici, une subvention de 240 000 euros, et donc 90 000 euros supérieurs à ce qu'on avait envisagé. On avait à la fois été prudent sur ce dossier, et le département est allé au-delà de son règlement d'intervention. Nous avons également sur la piscine, enfin sur les vestiaires polyvalents de la plaine des sports, l'accompagnement, qui sont à côté de la piscine, l'accompagnement de l'État, une pension qui aurait une subvention à hauteur de 67 000 euros et on a 54 627 euros de plus, puisque ça joue à la fois sur le taux et sur le montant global pris en charge. Je vous passe les détails d'éléments en moins qu'a évoqué Jacques, et donc au final, on a à ce jour 230 000 euros de subventions en plus que ce qu'on pensait au 1er avril, sachant qu'on attend aussi d'autres bonnes nouvelles. Il est probable que l'État nous accompagne en complément de 3 700 euros sur le nettoyage de la façade de l'abbatiale qui sera fait en juin. Et l'État va nous accompagner au titre de la TETR sur le rééquipement de l'informatique des classes pour un montant prévisionnel de 7 000 euros. Ils attendent les devis, mais j'ai déjà l'accord oral. Ces 10 700 euros-là n'ont pas été intégrés. Nous n'avons pas intégré non plus de subventions à ce jour du département pour le dossier polyvalent de la plaine des sports, même si le dossier a été transmis, que les services du département nous ont dit qu'il était complet. Donc nous aurons peut-être d'ici la fin d'année d'autres bonnes nouvelles. Nous faisons toujours un budget primitif extrêmement prudent sur les recettes, extrêmement prudent sur les dépenses. Donc à ce jour, avec ces subventions supplémentaires, nous sommes à présent à 36% de subventions publiques au lieu de 26% annoncées au budget. Donc voilà, sur la partie recette de la section investissement, 230 391 pour les subventions. Augmentation également en recette, donc des 124 500. Tout à l'heure, là, je vous ai parlé en section fonctionnement que ce qui avait été inscrit, la recette de la vente de la maison qui avait été inscrite en recette de fonctionnement, donc inscrite en recette d'investissement, donc là on a 124 500 qui rentrent dans cette partie-là. Il y a également, donc nous avons prévu de faire un crédit court terme qui avait été prévu à 288 000, d'y ajouter 280 000 euros. Je vous rappelle que ce crédit court terme est adossé sur les dépenses de TVA, de l'investissement 2019 et qui sont remboursées en 2020. C'est une partie qui se fait depuis toujours. Donc c'est ce qu'on dépense en 2019, l'État nous rembourse en l'année d'après. Et donc nous avons en FCTVA à toucher en 2020, donc sur des recettes, sur des dépenses de 2019, près de 600 000 euros. Et donc, nous avions pris 288 000, donc nous pouvons encore y ajouter 280 000. Et donc, dans cette partie recettes, ben, il faut y mettre la diminution des 104 500 du virement de la section de fonctionnement, puisque tout à l'heure, je vous ai dit que pour équilibrer la section de fonctionnement, il fallait diminuer le virement à la section d'investissement de 104 500. Donc, je les intègre là. Donc l'ensemble de ces opérations va augmenter les recettes d'investissement de 530 391 euros. Et donc nous devons donc équilibrer les recettes d'investissement avec les dépenses d'investissement. Et donc nous pourrons ajouter en dépenses d'investissement 530 391 euros. Et cet ajout permet donc de mettre le solde d'exécution en 669 015,26, de le porter à ça, et qui, ajouté à ce qui était déjà, va correspondre au déficit constaté de la section investissement de 2018.
Donc voilà, cette étude a été faite par nos soins, elle a été vue avec le percepteur, et donc voilà, il était d'accord sur nos différentes propositions. Et c'est donc ce qui a été proposé à la Chambre régionale des comptes, qui travaille dessus et qui donc, va nous donner dans quelques jours, quelques semaines, son plan pour accepter ou non cette décision modificative. Ou nous avons proposé le vote. On verra. Y a-t-il sur ce sujet des prises de parole ou des questions ? Monsieur Martinez. Bon. En préalable, c'est quand même extraordinaire. Pour la première fois dans ce conseil municipal, on disserte sur une délibération qui ne sera pas votée. Alors, j'entends votre propos introductif, monsieur le maire, donc c'est juste un problème technique, une simple ligne. Je mets au défi quiconque autour de cette table de se rappeler un dixième de toutes les opérations comptables et budgétaires qui viennent d'être évoquées pour essayer de vous sortir de ce pétrin, le pétrin dans lequel vous vous êtes mis tout seul. Je vous rappelle que ce micmac, c'est vous. À vous écouter, c'est Olivier Martinez qui est responsable du problème que nous avons aujourd'hui sous les yeux. C'est ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire que c'est de la faute de l'opposition. Opposition qui, je le rappelle, fait son travail, puisque vous ne faites pas votre travail, puisque, ne vous en déplaise, j'ai fait tout simplement ce que la loi m'oblige à faire, c'est-à-dire dénoncer aux autorités compétentes toutes les opérations comptables qui sont illégales et qui ne respectent pas la réglementation. Trois délibérations soulevées au titre de cette illégalité, trois délibérations qui ont été confirmées comme étant illégales à la fois par les services de la DGFiP, les finances publiques, ainsi que par la préfecture des Landes, par la voix de monsieur le préfet et de son sous-préfet. Donc, vous avez oublié plus de 669 000 euros dans ce budget, c'est un fait. Vous pouvez tourner les chiffres, le dossier dans tous les sens, et on l'a vu, vous le tournez dans tous les sens. Hein. C'est du Rubik's Cube. Je vous dis, je suis sûr qu'autour de cette table, et c'est bien normal, personne n'a compris ce que vous essayez de faire pour noyer le poisson. Donc, je vous le répète, moi je vous laisse à vos propres turpitudes. Vous êtes en train de nous faire croire que ce n'est rien, que c'est un détail, que c'est de la faute de l'opposition. Je veux dire, on va nous reprocher de faire notre travail. Faites votre travail. Moi, je vais juste vous dire une chose. Contrairement à ce que vous laissez croire à vos colistiers, parce que à la limite, nous, on est informés, ce qui est regrettable, c'est que vous les preniez pour des dindons. Je vais rappeler une chose. Vous êtes dessaisi de la compétence budgétaire à la minute où le préfet des Landes, interpelle la Chambre régionale des comptes qui, comme vous l'avez dit, a désigné un magistrat pour vous accompagner, il va vous tenir la main afin de régulariser la situation. Petit détail, parce que je ne veux pas faire de querelle de sémantique, c'est pas vous qui proposez ce que vous allez faire. C'est la Chambre, c'est le magistrat qui, au vu des chiffres et des éléments qu'il a en sa possession, qui va faire des propositions. Moi, je vais juste lire un SMS, parce que quand cette décision modificative, je l'ai reçue, bien évidemment, je me suis informé, de monsieur le sous-préfet. Bonsoir. Non, nous ne validons pas ce projet d'EDM, d'autant plus que la collectivité a perdu, depuis notre saisine de la Chambre régionale des comptes, toute compétence en matière budgétaire. Comme vous le savez sans doute, et oui je le sais, il faut maintenant attendre que la CRC se prononce pour que la collectivité puisse voter de nouveau en la matière pour rétablir les choses. Alors, moi je suis désolé pour vous, hein, parce que je pense qu'on vous raconte de belles histoires. Nous n'avons pas la main au sein de ce conseil municipal en matière budgétaire. Nous ne l'aurons que lorsque le magistrat de la Chambre aura fait des propositions après discussion avec monsieur le maire, et seulement après, nous pourrons, pour la quatrième fois, se voir reproposer au vote un budget qui n'en finit pas de ne pas être voté. Je peux parler ? Oui, Claire, on est là pour ça. Monsieur Martinez, vous me faites rire. C'est déjà ça. Oui. Bon, c'est vrai que les temps ne sont pas glorieux, donc vous entendre, c'est une bonne partie de plaisir. Nous avons entendu votre réquisitoire et nous sommes habitués à votre façon de faire. C'est un réquisitoire que vous avez fait tout à l'heure. Beaucoup d'esbroufes. Certes, cette erreur d'affectation est certes importante, mais en aucun cas, elle n'entache l'action du maire ou de ses adjoints d'une quelconque malversation, ce que vous sous-entendez en permanence.
Je vous rappelle à toute fin utile. Oui, non, attendez. Ou malversation ou incompétence. Je vous rappelle à toute fin utile. Monsieur Martinez, je ne vous ai pas arrêté. Je vous rappelle à toute fin utile que les comptes sont validés par le percepteur. Celui qui est parti n'avait signalé aucune anomalie. Vous-même, si fort et si compétent, n'aviez pas assisté à la commission des finances où votre expertise aurait pourtant été précieuse. Vous avez préféré faire le buzz, comme on dit, pour attirer les regards vers vous. Vous n'êtes que dans la dénonciation, vous l'avez dit vous-même, dans la dénonciation. Vous écrivez au préfet, au nouveau percepteur et à la Chambre régionale des comptes. À aucun moment, vous n'alertez le maire, ni vous ne lui écrivez pour lui signaler les erreurs. C'est votre rôle d'opposition. Vous avez dit que l'opposition, elle fait son rôle. Oui, mais vous ne faites pas le vôtre. Vous êtes dans la délation permanente. Pas même assister à la commission finances dont vous êtes membre et vous auriez eu tout loisir de dénoncer et de reprendre en conseil municipal tout ce que vous aviez redressé pour montrer votre supériorité sur nous, propres individus. Or, nous ne sommes pas dupes concernant ce comportement. Vous souhaitez retarder tous les projets en cours en bloquant le fonctionnement afin de dire que la majorité ne fait rien. Vous l'avez rappelé ce soir, faites votre boulot, vous ne faites rien. Ce faisant, vous agissez contre les Saint-Séverins qui souhaitent que les choses bougent et qu'on leur apporte des services supplémentaires. Je vous rappelle que les erreurs sont toujours possibles. Dans une entreprise, le chef d'entreprise, c'est lui le responsable de la tenue de la comptabilité. Pour autant, ce n'est pas lui qui l'établit, c'est un expert comptable. Au-dessus de l'expert comptable, il y a souvent un commissaire aux comptes qui, lui, contrôle les comptes de l'expert comptable pour voir si c'est véridique. C'est donc la preuve qu'il peut y avoir des erreurs éventuelles. Or, lorsque les services fiscaux viennent, souvent ils trouvent encore les choses, malgré l'expert comptable, malgré le commissaire aux comptes, et ils font des redressements. Preuve s'il en était que les deux expertises n'avaient pas fait leur boulot et n'étaient pas conformes à la loi fiscale. Donc c'est donc que l'erreur est possible à tous les niveaux. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une loi qui inscrit maintenant le droit à l'erreur en matière fiscale. Enfin, je voudrais vous rappeler quand même, M. Martinez, que lors de votre passage à la commune, en tant que DGS, vous avez été tellement performant que le comptable public vous avait probablement demandé de passer des écritures modificatives par rapport au budget que vous aviez pourtant voté et fait vous-même, puisque M. Dame n'était pas comptable. L'ensemble de ces DM pendant votre passage ont été supérieurs à 3 millions d'euros. Alors, de grâce, ne nous faites pas tout ce cinéma. Alors, j'ai le relevé ici. Si vous voulez, je le ferai comme vous, je le donnerai à la presse. Parce que vous appelez Sud-Ouest, vous faites le buzz en permanence. On appelle Sud-Ouest pour dire qu'on met le maire au tribunal. Vous n'avez pas dit à Sud-Ouest que vous aviez enlevé votre... Ah, j'ai gardé ma chemise. Non, oui, mais que pour moi, vous aviez enlevé... Non, que votre plainte, pour moi, vous ne l'avez pas dit à Sud-Ouest, vous l'avez enlevé. Vous avez peur d'être... d'être condamné vous aussi. Bon, donc, je crois que tout le monde aura bien compris qu'il y a des constructeurs et il y a des délateurs. Visiblement, vous ne faites pas partie de la première tranche. Merci. Une autre prise de parole, Monsieur Martinez. Oui, manifestement, il y a le feu à la maison, parce que là... Excusez-moi, vous partez dans tous les sens. Non, mais c'en est visible. C'est limite touchant, parce que je vous vois lire avec abnégation, là, avec envie, un document quand vous a tapé consciencieusement à l'ordinateur. Ça sent la spontanéité, je vous en remercie. L'ordinateur, c'est mon écriture, M. Martinez. Vous avez une vie très longue. Ce que je vais vous dire, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui... Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette affaire, vous essayez d'inverser les choses. Je vous le répète, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de faire un budget,
nous avons un magistrat de la Chambre régionale des comptes qui fait le budget. Et vous pouvez raconter toutes les histoires que vous voulez, c'est ainsi. Y a-t-il une proposition constructive de votre part avant que nous passions à notre sujet ? Donc, encore une fois, on est bien d'accord. Vous essayez désespérément de vous sortir la tête de l'eau sur une délibération qui, je vous l'ai rappelé avec les éléments que je vous ai lus, qui n'a aucune raison d'être aujourd'hui dans le dossier, qui ne peut pas être évoqué au sein de cette assemblée, c'est-à-dire que vous faites tout simplement, là encore une fois, quelque chose de complètement illégal, et donc on passe à autre chose sur un sujet donc évoqué qui n'est pas voté. Je tiens à vous dire que c'est absolument remarquable, vous faites vraiment n'importe quoi. Avez-vous une... Peut-on considérer ça comme une remarque constructive ? Voilà. Bien. Écoutez, un mot de conclusion. Si j'ai présenté cette DR. Ah oui, mais pardon, Jean-Marc, il est prêt. Alors, ce que j'ai écrit, c'est moi qui l'ai écrit, personne d'autre ne m'a fait écrire, je l'ai fait cet après-midi pour votre information. Voilà. Et moi, je lis ce que j'écris parce que je n'ai pas la compétence à déclamer. Je préfère lire ce que je vais dire. Le budget primitif de la ville a été vu deux fois par la commission des finances, deux fois par le conseil municipal, et il a également été vu par l'ancien percepteur. Personne. Avant le 3 mai, jour où le nouveau percepteur a signalé l'erreur, je dis bien personne, ne l'avait remarqué. Pour ma part, lorsque j'ai appris cette erreur, j'ai demandé des explications au maire et à l'adjoint aux finances. Explications qu'ils nous ont fournies ce soir et qui prouvent que notre action municipale, même s'ils n'êtes pas d'accord avec ça, ne se trouve pas entravé et peut continuer. Par contre, je me pose un certain nombre de questions sur l'attitude de l'opposition municipale et de son chef, M. Olivier Martinez, qui se pose d'ailleurs en spécialiste de la comptabilité publique et très souvent en donneur de leçons. Eh bien, ce spécialiste n'avait, me semble-t-il, pas découvert l'erreur dont on parle ce soir, bien qu'il se soit penché sur ce budget à deux reprises, pour les conseils, notamment pour les conseils municipaux des 29 mars et du 8 avril. Peut-être, nous dira-t-il, qu'il l'avait découvert, mais que l'on n'a pas laissé parler en conseil municipal. Alors, pourquoi attendre un mois ? N'aurait-il pas été plus logique d'adresser une demande d'explication au maire ou à l'adjoint chargé des finances, avant d'adresser des courriers au percepteur, au préfet, à la Chambre régionale des comptes. Quel est le but de ce courrier, ou de ces courriers ? L'opposition municipale et son leader n'ont-ils pas attendu le résultat des affaires opposant M. Lafargue et M. le maire pour essayer de faire contre-feu ? D'autre part, l'apparition concernant le budget primitif de notre ville, vous perdez pied, monsieur le papier. Je ne perds absolument pas pied. Quand je lis les choses, je les lis. D'autre part, l'apparition concernant le budget primitif de notre ville, en sud-ouest, la veille de la réunion d'information de l'opposition municipale, pose également question. Est-ce une coïncidence ou est-ce une coïncidence forcée ? Ce qui compte pour moi, c'est que la majorité municipale puisse continuer à faire marcher notre mairie et qu'elle puisse continuer à investir. Cela, n'en vous déplaise, sans augmenter la dette de la ville sur le mandat, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière mandature, et sans dilapider également le patrimoine de la ville, je veux bien sûr, bien entendu, parler des ventes de la gendarmerie et de la cité Montalvo. Bien, écoutez, conclure en dressant quelques messages très simples. Nous avons l'argent pour faire face à toutes les dépenses de fonctionnement. Le budget est exécutoire. Je continue à mandater toutes les dépenses d'investissement. Nous aurons dans quelques jours une décision de la Chambre régionale des comptes. On verra si
c'est la même que celle de ce soir, si elle est très proche de celle de ce soir. En tout cas, tout ça me donne l'impression d'être une tempête dans un verre d'eau. En ce qui m'intéresse, vous savez, dans mon entreprise, ça fait 15 ans que je fais des budgets en début d'année, tous les ans. Et des fois, on réajuste le budget, il y a de mauvaises nouvelles, on s'est trompé. Mais dans une entreprise, c'est pas au moment du budget, c'est qu'on sait si on a gagné ou perdu de l'argent. C'est à la fin de l'année, quand on a exécuté le budget, on voit les résultats. Mais une mairie, c'est pareil. Nous verrons en fin d'année si la dette a baissé, si les impôts ont augmenté, si les réalisations ont été financées ou non, si les ratios de gestion sont en amélioration ou non. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez augmenté la dette de 6 millions d'euros en deux mandats, vous avez augmenté les impôts de 33% au cours des deux mandats, nous finirons ce mandat sans avoir augmenté les impôts, sans avoir augmenté la dette. Je vous donne rendez-vous. Pour autant, aujourd'hui, voyant ces constats, vous cherchez à alimenter des polémiques. Nous ne sommes pas mis sous tutelle. Je n'ai pas piqué dans la caisse. Personne n'a dit ça. Non, mais j'ai écouté. Ça va mieux en 10 ans. Ça va mieux en 10 ans. Et dernier point, essentiel. C'est de notre faute. Essentiel, bien sûr. Ce qui se passe aujourd'hui montre que nous avons des marges de manœuvre financières. Vous devriez me féliciter d'avoir trouvé 230 000 euros de subventions publiques par le travail fait avec les services de plus, et je pense qu'on améliorera ça. Nous avons proposé dans ce budget modificatif 154 000 euros d'économies, et je pense qu'on finira l'année avec plus d'économies et peut-être des bonnes nouvelles dans les recettes de fonctionnement. Je suis convaincu qu'on finira l'année avec un budget excellent. Voilà le sentiment qui est le nôtre. Aujourd'hui, le travail continue. Nous allons démarrer dans les jours à venir l'école du parc. Nous inaugurerons en juin la rénovation des vestiaires à côté de la piscine. L'abbatiale avance et nous aurons fini. Il n'y aura plus d'échafaudage en fin d'année. L'action du quotidien continue. Et on est aux côtés des associations pour préparer ce bel été. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours lorsque la Chambre régionale des comptes, qui est impartiale, aura rendu son avis. On verra si elle se rapproche de cette décision modificative ou s'il faut la bouger. En tout cas, j'ai connu une autre période où vous étiez beaucoup moins prompt à soutenir la Chambre régionale des comptes, notamment quand elle a audité vos mandats, vos exercices 2011, 2012, 2013 et 2014, lorsque la Chambre régionale des comptes a dénoncé le report systématique de dépenses sur l'exercice suivant. Je rappelle qu'on a démarré notre mandat en 2014 avec, au bout de 3 mois, 47% des dépenses de fonctionnement déjà consommées, puisque vous avez reporté toutes les dépenses que vous n'étiez pas capable de financer en 2013 sur 2014. La Chambre a dénoncé ça dans son rapport. Elle a dénoncé que vous aviez vendu les terrains de La Fontaine sans constater les sorties des stocks. Et donc, on a abaissé la richesse de la ville de 100 000 euros pour corriger cette erreur comptable. Là, ce n'était pas une erreur sur prévisionnel, c'était sur la réalisation même. Je vous donne rendez-vous en 3 semaines. Nous transmettrons les éléments constructifs de ce débat à la Chambre régionale qui a souhaité qu'on en débatte ce soir. Je passe au point 13, participation des communes aux frais de scolarité. La proposition qui vous est faite, il semblerait que la commission scolaire hier soir, vous souhaitiez avoir les détails du statut qui vous est proposé. Nous l'avons remis sur table. Ouais, 2017. C'est ce que j'ai déjà évoqué en commission finance lundi soir. Nous avons demandé à la préfecture quelle était la méthode à adopter, sachant que sur l'exercice 2018, nous avons parti sur la moitié de l'année, sur le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, des chiffres qui ne sont en aucun cas représentatifs. Nous avons des dépenses de livres qui sont en très forte augmentation, puisqu'on n'a pas du tout renouvelé. On a des dépenses de chauffage inexistantes, puisqu'on a accueilli gratuitement au collège et à l'école de Sainte-Thérèse. Et donc, au final, on a des chiffres, pour mon sens, qui ne représentent pas la réalité en tendance du coût qu'on consacre auprès de nos enfants accueillis dans le public. Et donc, le bureau des relations avec les collectivités locales et les préfectures nous a validé la proposition que nous faisons ce soir de reprendre le même montant
que l'année d'avant, qui est sur un exercice normal. Et donc, la proposition qui s'est faite est d'adopter une délibération d'un montant de 654,79 euros. Par rapport à ça, des questions, des suggestions? Oui, M. Martinez. Oui, bon, cette délibération est illégale, je vais vous dire pourquoi, puisque quatre communes sont évoquées dans la liste donc des financements que vous nous avez présentés. Je vous rappelle, parce que manifestement vous ne faites attention à rien, que les communes de Pinquet, Campagne, Saint-Perdon et Saint-Pierre-du-Mont n'ont pas la compétence scolaire, mais c'est l'agglomération du Marsan, et à ce titre, sur ce tableau, vous devez faire apparaître les élèves avec des titres de recettes à l'attention de l'aglo, puisque je vous l'ai dit, elle a la compétence scolaire et non plus les communes. On l'a adopté comme ça les années précédentes. Ça permet de savoir le nombre de jeunes et leur origine. Et bien sûr, c'est les CIDU qui seront, ou les communautés de communes, qui seront mandatées. Ça n'attache en rien à l'égalité cette délibération. Ça me fait penser à une très belle prise de parole que vous avez faite le 29 mars, où vous nous avez demandé de ne pas voter le budget parce qu'il n'était pas à l'équilibre. Il était effectivement en suréquilibre. Donc les services de la préfecture nous ont dit la semaine d'après qu'on aurait pu le voter en suréquilibre. Et le nouveau trésorier nous l'a confirmé, ainsi que la DGFIP. Donc vous avez un grand aplomb, mais souvent, pour raconter les balivernes. Je passe au vote. Identité des oppositions, les abstentions. Je vous remercie. Frais de scolarité à Saint-Décarèze, c'est le même montant. Là, c'est des enfants de Saint-Sauveur qui sont accueillis à l'école privée et pour lequel. C'est la ville qui verse à l'établissement privé le même montant par élève, puisqu'au fond, cette école accueille ses élèves et nous fait économiser cette somme que nous aurions dépensée si j'étais accueilli dans le public. Y a-t-il des oppositions sur cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 15, approbation de la convention de mise à disposition non exclusive de la piscine municipale. Au profit d'un maître nageur. Notre maître nageur titulaire au sein des effectifs n'a pas renouvelé ses accréditations de brevet d'État et donc il ne sera pas cet été le maître nageur en charge des cours de natation. Nous avons donc, nous avions avec lui une délibération qui nous liait à lui, puisqu'il exerçait cette mission en dehors de ses heures de travail d'agence, de façon à ce que la mise à disposition de l'équipement public se fasse en toute légalité. Il vous est proposé une nouvelle délibération qui va nous lier avec un éducateur sportif qui sera un salarié du futur délégataire du camping. L'engagement qui est le sien auprès de nous, c'est que les horaires et les tarifs soient exactement les mêmes que ceux des années précédentes. Y a-t-il par rapport à ça, cette délibération? Oui. Oui, petite précision, le percepteur et la préfecture n'ont pas pu vous dire que votre budget en suréquilibre était légal, puisqu'il y avait également le problème de la ligne 001 au déficit d'investissement. Il manquait déjà les 669 000 euros. Donc là encore, vous racontez des balivernes. Deuxième point, c'est un détail, et comme quoi vous avez beaucoup de mal avec le sérieux dans la rédaction. Il y a déjà le vote de l'ensemble du conseil municipal, puisqu'il est marqué qu'on vote à l'unanimité. Alors oui, nous on va le voter, bien évidemment, mais si on pouvait laisser un semblant de suspense sur ce genre de délibération et éviter qu'on mette déjà le sens des votes dans les notes de synthèse, ça serait parfait. Oui, nos services s'améliorent, ils avaient déjà pressenti le vote qui sera le vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Mais vous voyez, vous avez raison. Dernier point, le point suivant à l'ordre du jour, c'est un point qui fait comme toute page, qui est très important. Notre commune, au travers de cette délibération, va se doter d'un plan communal de sauvegarde. C'est une obligation légale qui date de 2004. Et qui est un outil qui permet à la fois d'identifier tous les risques dans une commune. Les risques liés bien sûr aux inondations, aux incendies, aux tempêtes, mais aussi tous les risques liés à des accidents industriels,
il y a des transports dangereux. Nous avons eu un épisode de catastrophe naturelle l'an dernier, à la même époque. On s'est rendu compte à quel point, lorsque nous avons un risque qui voit le jour, nous sommes en difficulté pour aller à la rencontre des personnes les plus faibles à secourir. Nous avons régulièrement des routes coupées ou des téléphones qui sont engorgés. Et donc, il nous a été demandé par la préfecture, c'est une obligation qui date de 2004 et auquel nous n'avions toujours pas mis en œuvre la délibération, nous avons tenté de nous conformer. C'était un énorme travail. Beaucoup de communes ont fait appel au centre de gestion et ont payé 8000 euros pour mettre en place ce plan communal de sauvegarde. Ce document a été fait en interne par nos services et je tiens à remercier la question très forte d'Arnaud Pabre, notre adjoint de sécurité sur ce sujet, puisqu'il a professionnellement de grandes compétences sur le domaine. Et vous avez dans les pièces jointes une proposition de CRIM, qui est le document synthétique qui sera adressé à tous les habitants et qui indique au fond les bonnes pratiques à avoir lorsqu'il intervient un danger. Avec par exemple ce qu'il ne faut pas faire. Si on n'est pas en danger chez soi, mais on se demande qu'y a-t-il à faire, par exemple il ne faut pas téléphoner. Parce que généralement la première chose que tout ça génère, c'est un encombrement des lignes des trois intervenants majeurs que sont les pompiers, la gendarmerie et le SAMU. Voilà, toute une série de points de vigilance, le rappel des risques majeurs sur Saint-Sylvestre. Nous avons dans ce plan communal de sauvegarde, nous ne l'avons pas fourni en pièce jointe à la délibération, conformément à la préconisation de la préfecture, puisque c'est un document confidentiel sur lequel nous avons des listes de personnel et nous avons travaillé avec le CIAS en matière pour avoir, bien entendu, le recensement des personnes les plus fragiles, les lieux où ils se trouvent. Et dans le plan communal de sauvegarde, on a une organisation territoriale où des élus sont identifiés pour être au plein des correspondants de chacune des secteurs de notre commune. Il nous revient donc d'approuver ce plan communal de sauvegarde, d'approuver le dossier d'information communale sur le risque majeur qui sera adressé à l'ensemble de la population. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point 17 à l'ordre du jour, nous avons une modification de la charte pour la réception du sportif méritant. Nous avions jusqu'alors un projet sportif méritant, un club sportif méritant de l'année qui était mis à l'honneur et nous avions doté ces dernières années ces récompenses d'un don en nature, si vous voulez, puisque la ville s'engageait à acheter des équipements qui leur servaient. L'objet de cette délibération est de simplifier les choses et de doter les trois clubs sportifs qui me paraissent être les plus méritants de l'année d'un prix de 500 euros pour le premier prix médaille d'or, d'un prix de 300 euros pour le deuxième prix médaille d'argent et d'un troisième prix à 200 euros médaille de bronze. Le but étant de mixer aussi les projets sportifs et les clubs sportifs pour essayer de simplifier les modalités d'organisation et de récompense de nos clubs. L'occasion pour moi, je me tourne vers Sophie, de vous dire que la réception du club sportif en étant de l'année aura lieu samedi 15 juin à 9h30 au cinéma. Les clubs ont jusqu'au 27 mai pour candidater. Le comité consultatif sportif se réunira le 6 juin pour délibérer sur les candidatures et choisir les trois clubs qui seront récompensés. Parfait. Notez déjà dans votre agenda d'être avec nous ce matin-là, c'est toujours une belle manifestation. Et dernier point à l'ordre du jour, nous avons je vais pas vous dire. Merci, il y en a qui suivent.
Y a-t-il des oppositions sur cette modification, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons enfin, c'est le dernier point à l'ordre du jour, une demande de l'association culturelle, les Basconiades sur deux jours, sur le site de Morlane, n'ont lieu qu'une année sur deux, les années où les Basconiades n'ont pas lieu, ont lieu une journée avec un spectacle et un banquet médiéval. Ce soir, c'est lieu il y a deux ans, ça se renouvelle cette année. L'association n'avait pas intégré cette manifestation car les demandes de subvention lors du mois de mars, lorsqu'on avait inscrit les premiers dossiers, d'où la demande de subvention de ce soir de 1 000 euros pour les aider notamment en financement des outils techniques pour cette manifestation où il y aura aussi quelques attendus de secours extérieurs. Bien entendu, Marion et Laurent ne participent pas au vote, mais ils sont membres du conseil d'administration. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, je vous donne un peu. Il faut signer les papiers.